Salut, aujourd'hui nous tentons un format un petit peu différent que j'ai appelé, je sais pas encore comment, mais vous avez dû voir un nom de format, un nom de concept dans le titre. Et on commence ce premier épisode avec le changement d'heure parce que ça c'est une chaîne qui colle à l'actu mon pote. Et ouais, on rigole pas sur l'actu brûlante. Du coup on perd une heure. Enfin c'est toujours la même question, si j'avance ma montre d'une heure, est-ce que je dors plus ou est-ce que je dors moins demain matin? C'est pas anodin ça comme question. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, une heure en plus ou en moins, ça bouscule complètement notre métabolisme et ça demande quand même un temps d'adaptation. Et pour ce nouveau concept, je suis allé chercher des vidéos sur l'INA, le site d'archives, des vidéos de l'époque où le dispositif du changement d'heure a été appliqué. C'est ça en fait le concept. Et je me suis rendu compte que même 48 ans après, 48 ans, c'est énorme, eh bien on galère toujours à savoir si on recule si on avance d'une heure. D'ailleurs, pourquoi un jour on a décidé de passer à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver? Est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi tous les pays ne le font pas? Et pourquoi nous on le fait toujours? Et puis surtout, c'est quoi les conséquences sur nous? Ça fait beaucoup là, non? Le changement d'heure a été instauré en France en 1975 à la suite du choc pétrolier de 73 qui avait fait s'envoler les prix du pétrole. L'envolée du prix de l'énergie et la nécessité de servir en priorité l'industrie imposeront également de nouvelles économies aux particuliers. J'indique par exemple que nous serons conduits à fixer une heure de printemps, puis une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée. C'est d'ailleurs ce qui a permis l'arnaque des avions renifleurs dont je vous parlais le mois dernier en vidéo. Si vous n'avez pas vu cette histoire, je la mettrai dans la description. En 75, en changeant d'heure, on pouvait faire des économies d'énergie sur l'éclairage artificiel le soir parce qu'on bénéficiait de la lumière du jour un petit peu plus longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en avançant d'une heure, on bénéficiait par exemple à 20h de la lumière qu'on aurait eu naturellement à 19h. Ça signifie quand même, et c'est pas rien, qu'on se décale de l'heure solaire, l'heure qu'on appelle l'heure normale. À l'époque, c'était un bouleversement. Aujourd'hui, on s'est tous adaptés à ce changement d'heure, on trouve ça normal, on a l'habitude, mais en 75, ça a été nouveau pour tout le monde. Que ce soit pour les particuliers, les entreprises, les administrations, c'était capital que ce soit bien intégré au risque d'avoir des vrais désagréments. Et le plus gros vecteur de communication de l'époque, c'est la télévision, qui était, pour le moins, très didactique. Dimanche, 0h et 1h du matin, c'est la même chose. Le changement d'heure, finalement, c'est très simple. J'ai pris ma petite pendule, mon petit réveil, comme d'habitude, et je vais vous montrer, voilà, l'opération qu'il faut faire. Il est minuit à ma pendule. Je tourne. Je tourne toujours, je tourne encore, 1h du matin, voilà, nous avons changé d'heure. Le changement d'heure, c'est très simple, voici l'heure d'été. Le passage à la nouvelle heure d'été de 0 à 1h n'est qu'un exemple, car la nouvelle heure entrera en vigueur légalement demain à 0h 59 minutes 59 secondes. C'est à ce moment qu'il faudra avancer sa pendule d'une heure. Et c'est en 1998 que le changement d'heure s'est harmonisé à l'échelle européenne. Parce que avant ça, vous le sentez venir, chaque pays définissait sa propre date de changement d'heure. Je vous laisse imaginer le bordel que c'était. En France, le dimanche 28 mars 1976, à 1h du matin, il sera 2h. C'est pas tout à fait une plaisanterie, car ce jour-là, le dimanche 28 mars, nous allons passer à l'heure d'été et nous allons tous avancer notre montre d'une heure. Les Anglais et les Irlandais auront fait de même une semaine avant, plus une heure, et les Italiens toucheront aussi à leur montre 2 mois plus tard pour avancer eux aussi d'une heure. Ajoutez à ce petit casse-tête européen que les Allemands, les Hollandais, les Danois, etc. ne changent pas d'horaire d'été. Si aujourd'hui avec le numérique, le changement d'heure, il se fait quasiment automatiquement sur tous les appareils, les portables, ordinateurs, voitures, en gros sur tout ce qui est connecté, à l'époque tout le monde devait ajuster sa montre et ses réveils manuellement, ou alors on utilisait la bonne vieille méthode d'avoir l'heure de son micro-ondes qui a 1 heure de retard pendant 6 mois, et puis après on se dit on va pas le changer parce que tout de même on va bientôt rechanger d'heure, si tu connais. Ah si, il y avait aussi les coqs qui chantent au lever du jour, eux c'était pas facile de les régler manuellement. Et lui, il a l'habitude de chanter à 6h30, c'est-à-dire c'est la pointe du jour. Et lui, c'est un réveil pour nous. Et nous ne pouvons pas régler la montre sur lui. Oui. Car lui, on ne peut pas le changer, lui. C'est-à-dire qu'il chantera quand vous serez réveillé. Eh bien, évidemment, oui. Il n'y a pas moyen, bien sûr, de le régler comme un réveil. Il n'y a pas moyen de régler les coques, non, je ne pense pas, tout au moins. Les agriculteurs et les fermiers sont ceux qui, depuis longtemps, sont contre ce dispositif. Et on peut le comprendre. Les animaux vivent en effet au rythme du soleil. Donc, s'il fait jour plus tard, ce corps de métier finit ses journées plus tard. Pas le choix. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui s'inquiétaient d'avoir des conséquences, de subir des choses. Certains corps de métier avaient peur d'avoir des pertes financières, des soucis de logistique, comme les transports, les administrations, les écoles. Ou encore un sujet encore plus important à l'époque, au point d'en faire un reportage à la une dans le JT, les bars. Ceux qui seront le plus touchés, je pense, ce sont les bars. Les bars avec des grands comptoirs où leur clientèle est vraiment habituée à rester sur le bar pendant très longtemps.
Là, ils vont se coucher de bonne heure. Vous parlez des piliers de bar, là. Des piliers de bar, ouais. Ah, c'est mauvais temps, sale temps, mauvaise soirée pour les piliers de bar, là. Alors. Mauvaise soirée, ils vont se coucher de bonne heure, ils seront frais le lundi matin pour aller travailler. Alors, bien sûr, comme tout changement, il y avait ceux qui voyaient d'abord le positif que ça allait engendrer au niveau des économies d'énergie, mais il y avait aussi ceux qui étaient parfaitement contre, révoltés. Eh bien, c'est la vérité, c'est exactement la même chose. Les problèmes, si on faisait, si on faisait payer les compagnies pétrolières, il n'aurait peut-être pas retourné une heure en arrière. Mais on le faisait bien avant. Oui, mais je suis d'accord, mais. C'est du tape à l'œil. Et le plus drôle, c'est qu'il y a même eu de la résistance sur l'île de Molène, en Bretagne par exemple. Ils ont refusé le système en continuant de vivre à l'heure solaire. Quand ils arrivent ici par exemple, là, ils sont là, il est midi, ils sont ici, il est 11h. Et là, c'est cool, ils vivent. Le bastion des partisans de l'heure solaire. De laisser ça à ton père. Nous sommes bretons avant tout. Et donc on vit à notre heure. C'est-à-dire l'heure solaire. Pas question de changer. Pourquoi changer? Tout le monde ne vit pas à Paris, autour d'un ministère. Si on vit nature, dans la nature, et notre environnement, c'est la vie, c'est l'homme, c'est tout. Et à Paris, on vit donc en liberté? Surveillé. Vous vivez tous en liberté surveillée. Donc en 1998, le changement d'heure est harmonisé dans l'Union européenne, même si les fuseaux horaires sont différents. Par exemple, le Portugal est calé sur l'heure de l'Europe occidentale et la Finlande sur l'heure de l'Europe orientale. Malgré tout, les deux pays changent leur montre au même moment, le même jour. Il est donc 2h au Portugal et 4h en Finlande, par exemple. Mais en dehors de l'Union européenne, c'est pas gagné. Le Chili, par exemple, change d'heure une semaine plus tôt que le Paraguay. Sauf que ces deux pays sont vraiment très très proches. En résumé, le changement d'heure, c'est le bordel. Pour la France, j'ai une astuce aussi qui vous permettra de savoir quand est-ce qu'on avance notre montre et quand est-ce qu'on recule. Pas besoin d'être mentaliste pour retenir ça, vous allez voir, vers avril, on avance et vers octobre, on recule. Et quand on avance notre montre, on dort moins parce qu'on se lève plus tôt. Pour le retenir, tu peux te dire, bah, si je suis en avance, c'est que je me lève plus tôt que d'habitude. Alors, hormis le fait qu'on puisse louper son train ou arriver en retard à un rendez-vous, c'est quoi les réelles répercussions du changement d'heure sur notre santé? Tic-tac, tic-tac. C'est aussi le bruit de notre pendule biologique et il lui suffit d'une heure de décalage pour que notre rythme de vie en soit perturbé. Un changement horaire qui avait à l'origine pour but de faire des économies d'énergie. Mais voilà 18 ans que des associations contre l'heure d'été, les éleveurs et les médecins pédiatres tentent de prouver que cette mesure, outre qu'elle n'a qu'un effet relatif sur l'économie, serait plutôt néfaste à la santé. Ce changement horaire fragilise les enfants et perturbe leur métabolisme hormonaux. Il leur faut plusieurs semaines pour se régler sur leur nouveau rythme en les immunisant d'autant moins contre les maladies. L'horloge biologique, c'est le métronome de notre corps. Il est situé dans la zone du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Elle se synchronise sur une journée de 24 heures définie par l'alternance du jour et de la nuit. C'est ce qui nous permet de nous régler, d'avoir des repères temporels pour se lever le matin, pour ressentir la faim, pour ressentir la fatigue. Le changement d'heure, c'est un vrai problème qui peut engendrer des troubles de l'endormissement, par exemple, et de l'attention. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, elle régule le rythme du sommeil et de l'éveil, et elle a besoin de 2 heures de lumière basse atténuée pour déclencher l'endormissement. Donc quand il commence à faire nuit à 21h30 ou à 22h l'été, ça décale l'heure de l'endormissement et en plus on dort une heure de moins. Mais ça s'arrête pas là, ça crée des troubles de l'appétit, des troubles de l'humeur ou encore une capacité de travail moins efficace. Vous voyez que même si changer d'une heure ça semble anecdotique, certains scientifiques soutiennent que changer d'une heure est plus néfaste qu'un gros décalage horaire, genre quand tu vas en vacances. Selon l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, le nombre d'accidents sur la route et de blessures au travail serait plus élevé au cours des jours qui suivent en fait le changement d'heure, les jours d'ajustement qui suivent le passage à l'heure d'été par exemple. Mais quand même pas rien. Il faut donc accepter que notre corps a une réadaptation à faire et peut-être même s'y préparer un petit peu plus, par exemple en s'exposant à la lumière naturelle le matin pour mieux se réveiller. La vitamine D c'est une très bonne alliée, ou en faisant des siestes si on a la possibilité dans la journée, et surtout en éteignant les écrans une heure avant de se coucher. Et ça vaut pour tout le temps si vous souhaitez avoir un bon sommeil. C'est vraiment le genre de conseil que tout le monde connaît et que personne n'applique. Est-ce qu'on fait vraiment des économies d'énergie avec ça? Oui. Est-ce que c'est suffisamment impactant? Pas tellement. D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il y a en effet une baisse de consommation d'électricité de 0,07% en moyenne. En 2019, plus de 4 millions d'Européens souhaitaient mettre fin à ce changement d'heure et le Parlement européen avait approuvé la suppression du dispositif pour 2021. Donc chaque pays aurait donc dû choisir l'heure qu'il voulait garder, celle d'été ou celle d'hiver. Bon, avec le Covid, ils ont eu d'autres petites priorités à gérer et ça n'a pas bougé depuis. Nous en France, on était pour garder celle d'été. Là encore, certains disent que celle-ci, elle sert pas à grand chose étant donné que le jour
jour se lèvent plus tard et donc on utilise plus d'électricité artificielle le matin. En gros, personne n'est d'accord sur l'heure qu'il faudrait adopter. Là encore, hein, ça divise. Vous, vous aimeriez quoi d'ailleurs? Vous préférez vivre à l'heure d'été, à l'heure d'hiver ou vraiment vous en fichez royalement comme moi? Dites-moi dans les commentaires, mais oui, moi, pour être honnête, je vivrai à l'heure qu'on me donnera. En fait, je me poserai pas tellement la question, je crois. Le seul truc que ça changerait pas, c'est que mes spectacles commenceraient toujours à l'heure. Voilà, parce que je suis très psychorigide là-dessus. Mon spectacle de mentalisme, d'humour et de science est toujours en tournée. Vous avez les dates qui s'affichent. N'hésitez pas à venir le voir. On se rencontre d'ailleurs à la fin. C'est le nouveau spectacle avec une grande exceptionnelle le 22 novembre 2023 à la salle Playel. Il va y avoir des grosses nouveautés. Si vous avez déjà vu le spectacle, vous n'allez pas le reconnaître. Les liens sont dans la description. À très bientôt. Ciao.